With a song filled of love, we defy, we defy, we defy science, we defy. Et bonjour à tous et bienvenue sur Lanamor TV pour un tout nouveau let's play sur Vandal Heart, un jeu de stratégie que j'ai fait et refait, qui est absolument génial selon moi. Donc je vais vous le proposer. Donc c'est un jeu qui est sorti en 97 sur PlayStation. Et pour moi, c'est un des meilleurs jeux de stratégie tour par tour qui existe. On est parti, je vous laisse avec l'intro. Sostagaria. For over a millennium, the fertile lands in the heart of this vast continent were ruled by the holy Asha dynasty. Descendants of Toroa the Messiah. However, it is man's doom to forget. Amidst all the wealth and exotic pleasures, the nobility lost their way and sank into corruption and depravity, forgetting even the holy teaching of Toroa. It was in these days of unrest that the citizens, struggling under an oppressive regime, rose up and, under the leadership of Aris the Sage, took up arms against the kingdom. That was the first outbreak of violence in what would later be known simply as the Revolution. The royal army's counterattack was swift and fierce, but time and time again they were put to flight by the cunning strategies of Aris and the indomitable will of the advancing Liberation Army. Victory in hand, the rebels set up a council and worked to establish the continent's first democracy. And so, the Republic of Ishtaria was born. However, Aris the Sage, whom all hoped would lead the country, mysteriously vanished and has not been seen again to this day. Now, 15 years later, the shadow of war once again threatens Ishtaria. Et c'est parti pour Vandal Heart. L'intro est presque terminée. Des graphismes simplistes, surtout le décor, c'est pas très beau, bon ça date quand même de 97. Et j'ai pas mis le jeu en français, bon bah ce sera pour cette mission, je vais essayer de faire les traductions. Qu'est-ce que c'est que cette. Le soldat a dit qu'est-ce que c'est que cet endroit. Donc Magnus nous dit que c'est une pièce cachée, sans déconner. Il y avait un peu un mur en guise de porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite pierre qui brille. Dans ses sentiments, ça doit être ça. On ne sait pas encore ce que c'est. Ça ressemble à un cahier magique, quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
mystère. Que s'est-il passé? Nous le découvrirons. Et donc, c'est parti pour le premier challenge. En gros, c'est bientôt la guerre. Voilà. Hop là. Donc Ash, c'est le personnage principal de l'histoire. Voici nos trois premiers protagonistes. Donc Ash, l'homme qui est appelé Ash répond désolé, j'étais en train de penser. Tu ferais mieux de te réveiller, on va avoir des problèmes. On est entouré. Voici donc notre premier champ de bataille. Et on va découvrir les trois personnages principaux. Enfin, les trois premiers personnages de l'histoire. Vous êtes fait en gros. Dont Tsunoda 10 Valley. Ok, ne savez-vous pas que cette vallée est sous l'autorité de Bada? There are just some dumb wandering. Ok, donc ça doit être. C'est juste des. Des hommes à la con, quoi, hein, juste comme ça. Qui se baladent. L'ignorance. C'est les racines de l'infortune, comme on dit. Blablabla. En gros, donnez-nous tout ce que vous avez et on vous donne la vie sauve. Bien que j'ai pas trop envie de vous laisser de la vie sauve, n'est-ce pas le boss? Et voici le patron, il s'appelle Zoot. En gros, il dit on va les tuer. Pas de réaction de notre H. Et il dit es-tu trop effrayé pour parler, baby? Et voilà ce geyser de sang. Oh là là, que je l'aime. Il est magnifique. Tous ces pixels qui volent. Mais en gros, hein, il est un peu surpris le garçon. Ces ricanements, hein, c'est quoi? Où sont ces ricanements stupides maintenant? Et un de nos héros dit que c'est eux qui sont faits comme des rats maintenant. Et ouais, on va tous les buter, bordel. Mais qui vous êtes? Donc voici notre personnage principal, Ash Lambert, troisième peloton des forces de sécurité d'Ishtaria. Ishtaria qui est donc le continent. C'est Sostogaria, Ishtaria, c'est la République. Diego Renault, appartenant au même peloton. Et Clint Picard. Donc en gros, rendez-vous et on vous laissera la vie sauve. Seulement 3, blablabla, allez, on les tue, blablabla. Donc, c'est notre premier champ de bataille. Je vais vous expliquer un peu le principe. Donc, victoire, il faut tuer leur chef. Et nous, il faut qu'on perde. Si on perd H, on a perdu. Si on perd un des deux, les deux autres, c'est pas grave. Mais bon, on va essayer de pas les perdre. Donc, le principe. Donc, vu du dessus du champ de bataille, les points bleus, c'est nous, les points rouges, c'est les ennemis. Vous voyez en haut à droite et en bas à droite, il y a des marques sur le champ de bataille. Donc ça, c'est des endroits qu'on peut fouiller. Et il y aura des objets à récupérer. Sachant qu'il faut le faire avant de tuer tous les ennemis de la carte. Parce qu'une fois que tous les ennemis sont morts, là, ça s'arrête. Ok, donc on revient. On voit tout de suite que déjà, on a un archer, Diego, et deux CAC, deux corps à corps, qui sont H et Clint. Diego l'archer, plus il sera en hauteur, plus il aura de portée. Donc c'est très important de contrôler les points hauts dans le jeu. C'est ce qu'on va faire, on va plutôt aller par là pour se mettre un peu en haut et être hors de portée des archers. Du coup, donc ça c'est les ennemis, donc des archers niveau 1 et des CAC ennemis
niveau 1 également. Si j'appuie sur rond, du coup on voit leur portée de mouvement qui est illustrée par cette zone bleue, et on voit que quand il doit monter, il perd des points de mouvement, c'est-à-dire qu'un pas pour monter, c'est deux points de mouvement au lieu d'un. Et en descente, on gagne des points de mouvement. Donc c'est parti, on va bouger, et on va aller péter la tête à tous ces petits soldats gentiment. Donc, quand je sélectionne un perso, j'ai plusieurs actions possibles, donc le mouvement, donc là on voit ma portée de mouvement, et également action, donc soit j'utilise un item, dans ce cas-là une herbe qui va me redonner des points de vie, soit j'attaque. Attaquer donc le CAC, autour de moi. Done, ça veut dire que j'ai fini mon action, en fait je peux orienter mon personnage comme je veux, parce que si j'attaque dans le dos des ennemis, j'inflige plus de dégâts. Examine, c'est fait pour chercher les objets dans le sol, comme je vous ai montré au début sur la carte, et push, on pourra à terme pousser des objets. Donc on est parti. On va aller envoyer notre petit Clint mettre un petit coup sur notre ami. Voilà. 9 points de dégâts. Et à chaque fois qu'on attaque, il y a une réplique de l'adversaire s'il est à portée. Uniquement s'il est à portée, même un archer peut répliquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller finir le brigand avec notre archer. Diego. Ça c'est fait. 30 points d'expérience, à chaque fois qu'on tue un ennemi on gagne des points d'expérience, il n'y a rien de choquant sur ça. Donc là on va regarder la portée de l'archer. On voit que l'archer en gros ne pourra pas nous atteindre et les arbres cachent la vue aux archers bien sûr. Ok, et lui, que fait-il? Lui il peut taper notre héros et lui il va se mettre en ligne et il va sûrement nous taper ici. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller fracasser notre ami là-bas. Gentiment. Voilà. Ça, c'est fait. Donc le premier, on a joué nos trois persos. On va donc passer le tour. Ça va être le tour des ennemis. Et on va voir ce qu'ils vont nous faire. Logique, ils vont m'attaquer mon archer de dos. Voilà. Du point de dommage, des répliques. Les ennemis ont fini de bouger, c'est pas de mon tour. On est parti, on va aller. Oula. Un peu de masse, je joue au clavier, donc j'ai un petit peu de mal avec les raccourcis, j'ai pas de manette. Donc là on va tranquillement continuer à tuer nos potes, enfin nos potes, nos ennemis. Est-ce que j'ai programmé? Oui, j'ai programmé pour tourner, mais j'ai pas programmé pour lever la caméra. Moi je le fasse. L'archer n'a plus que 4 PDV, donc un coup suffit. Et lui, il peut venir jusque là. Ok. Donc là, on va essayer de faire un petit blocus. Gentiment. Donc, lui, pour aller taper l'archer. Il a bloqué. C'est une mauvaise nouvelle. Hein. Mauvaise nouvelle. On va rattraper ça avec l'archer sans problème. Clint va venir couvrir le côté de notre hache. C'est là où je peux faire done. Vous voyez, je peux l'orienter. Je ne vais pas montrer ses fesses. Hein. On va le mettre de côté comme ça. Ça sera parfait. Et donc Diego va tranquillement finir. Je suis pas à portée. Hein. Finir notre ami l'archer. Espérant qu'il ne peut pas, et quand j'ai un allié au début de ses attaques, on a vu l'icône support s'afficher, c'est-à-dire qu'il y a un bonus de dégâts et un bonus de toucher. Et on gagne un niveau, donc comme ça, tous les 100 points d'expérience. J'ai joué tous mes persos, turnover. Donc sur la première map, on va pas aller chercher les objets qui sont aux deux coins de la map, pas du tout intéressant. Pas du tout intéressant. C'est plutôt assez dangereux d'aller les chercher parce que on essaie de bien se les troupes.
fortes probabilités de perdre un des deux. Et vous verrez que par la suite, on ira les chercher, surtout qu'il y aura des objets très intéressants à trouver pour avoir des évolutions cachées, etc. Hop là, ça pique un peu. Donc à la fin d'une bataille, on va avoir un compte rendu. Plus on tue d'ennemis sur la carte, plus on a de sous. Du coup, il faut qu'on tue tous les ennemis avant de tuer, de remplir la condition de victoire, qui est condition de victoire et défaite de Zoot. Donc si je tue Zoot immédiatement, j'ai moins de sous. Du coup, on va devoir tuer les deux brigands avant de tuer le groupe. Donc c'est ce qu'on va faire. On va maintenant marcher légèrement en hauteur. Gain de puissance, gain de portée. Parfait. On va vérifier juste que voilà, j'ai bien une herbe que je peux donner à Clint. Voilà. Sinon, on va le perdre. Le côté ça fait plus de dégâts. 42, donc il va prendre son petit hop. Ok, on a joué tout le perso. Turnover. Décidément, il en veut à notre. De vous expliquer un dernier truc sur les levels pendant notre tour. Donc là, on a pris des levels. Il faut savoir que dans le jeu, on pourra évoluer nos personnages au level 10 et au level 20. Et ce que je proposerai dans cette vidéo, c'est que chaque personnage, en gros, à une exception, ont deux possibilités d'évolution. Et ce que je ferai, c'est que je prendrai. Il y a l'évolution. On va voir les sorciers, on peut les évoluer en sorcier ou en autre chose. Et du coup, je prendrai toujours les autres choses. Parce que comme ça me mettra plus de difficultés et ça sera plus fun que si j'ai une team complètement pétée et que les missions sont trop faciles. C'est le seul moyen vraiment d'augmenter la difficulté du jeu. Du coup, on a vu que là, il faut qu'on garde l'XP. Next, il nous faut 63 pour le prochain. Sur ce perso. Ici, il faut 59. Et ici, il faut 65. On va faire taper H. Ah bah, je peux pas. Taper H parce que c'est le plus près de son level, si jamais ça donne pas mal d'XP, il peut up. Alors que ses petits camarades ne pourront pas. Voilà. J'ai gagné assez d'XP. Hop, hop, non, tant pis. Voilà. Première mission achevée, c'était très simple. Ça vous a suffi comme enseignement en gros. Donc s'il dit qu'il l'a déjà vu, Zoutgatch, etc. Quoi, qu'est-ce qui se passe? The same Zoutgatch, donc le même Zoot que nous avons mis en prison 2 mois auparavant. Et oui, c'est bien lui. Le plaisir est pour moi. Mais attendez une minute, seulement 2 mois. Et il est déjà dehors. Il s'est sûrement évadé ou il a sûrement eu l'aide pour sortir. Donc c'est vrai, mais je ne pense pas une minute que ce perdant est capable de s'évader tout seul. Du coup, il a forcément été aidé. Hop. Ou quoi ? Ok, ils en font pas trop, parce que ses amis vont pas l'oublier. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, rien du tout. Je fais que parler dans ma barbe, en gros, même Link, je sais plus exactement ce que ça veut dire. Donc lui, il pense qu'il a compris, blablabla. Les bandits ont vraiment le poids dans la vallée, blablabla, Freedom.
Donc ça a une relation avec le marché noir, avec des politiciens véreux, etc. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? L'autre, il est pas content. Est-ce que je le tue en gros? Attendez, blablabla. Si on le tue, on ne pourra pas avoir de réponse. Notre mission est terminée. On rentre à Sumeria. Sumeria qui est donc la ville la plus proche, j'imagine. Donc là c'est l'item, ce sera la carte. Et donc nous allons aller à la capitale Sumeria. Donc il faut aller au QG pour faire le rapport de mission. Move. Dans les villes, on va avoir ça comme option. Donc bouger dans la ville, notre liste d'items, les statuts de nos héros, les options. Je peux pas passer le jeu en français, je le passerai dans le menu principal, c'est pas grave, sauvegarder bien entendu. Et dans la ville, du coup, il y a le magasin, le dojo, ces deux entités qui reviendront dans toutes les villes, ainsi que la taverne, les shops, le magasin donc pour acheter des produits, pour nous, des armures, des armes, le dojo pour évoluer nos personnages, la taverne pour aller parler aux gens. Et les gens vont donner des objets, et donc c'est très important d'aller faire des tours dans les tavernes. Le QG pour faire notre rapport, et là c'est pour quitter la ville. On va aller faire notre rapport, et après le rapport, on arrêtera la vidéo, je pense. Je pense, ouais. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la seconde mission. Du coup, donc il dit qu'il a déjà fait son rapport. Son rapport et que c'est la conclusion. Boum, boum. Donc Clive qui est le commandant des forces de sécurité. Qui voit, machin, bien joué. Il faut aller regarder dans le passé de Zou pour voir ce qui se passe et comprendre. On est d'accord, tout va bien. Chaque fois on les arrête, ils sont évadés, etc. etc. Je peux pas très bien, j'ai appuyé, j'ai pas vu la première partie du dialogue, donc c'est pas très grave, c'est pas très important. Lui dit qu'il dépasse les bornes. Vous avez raison, il y a beaucoup de choses qui vont pas avec ce gouvernement, corrupt, les politiciens véreux, les taxes oppressantes, les impôts quoi. Et pas assez de sécurité. Ah, bah ça, on connaît bien, hein. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Mais c'est pas grave. Oh, filthy things get. Ok. En gros, faut qu'on se rappelle de qui on est pour que les choses aillent mieux. Que le peuple a la liberté et la possibilité de changer les choses en mieux. Blablabla, blablabla, comme il y a 15 ans, ce que dans l'introduction on avait vu qu'il y a 15 ans il y avait une révolution. Tu comprends? Bah c'est bien, H, tu comprends. Ouh là 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 là. Donc lui, désolé d'avoir parlé comme ça, blablabla. Ah, du coup, il a dû dire que c'est toujours les petites gens qui sont complètement persécutés et que. Etc. Hein? Donc, vous avez fait du bon travail. Et il faut se relaxer, c'est très important de se relaxer. Un petit peu de sophrologie. On va respirer. Tranquillement. Ouais. Allez. Allez, on va faire un petit tour à la taverne. Et on va s'arrêter là.
parce qu'il va se passer quelque chose dans la taverne et on découvrira ça donc, dans le deuxième épisode. Donc j'espère que ce premier Let's Play de Vandalard vous a plu, on a vu les bases, la première mission était très simple et on va découvrir donc, cette histoire qui est géniale et ce jeu qui est génial selon moi. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur la Namor TV. A plus, à plus.